il faut apprendre aux générations futures l'histoire de Mandela d'abord, parce qu'il faut que les générations futures comprennent d'abord l'histoire de Mandela pour mieux s'imprégner de cette histoire, pour garder les bonnes actions qu'il a menées et s'en servir pour construire l'avenir. Laura, peut-être, il faut qu'on fasse peut-être une sensibilisation et puis, comment dirais-je, établir ses idées, toute la conception qu'il a eue, toutes les idées qu'il a eues, faire répandre ça dans tout le monde entier et puis diffuser ça sur les radios et télévisions pour que les gens sachent au moins qu'est-ce qu'il a souhaité, comment il a voulu que le monde soit avant sa mort et quelle lutte qu'il a fait. Voilà, comme ils l'ont fait pour Bob Marley, pour Haïlé Selassie et etc. Voilà, c'est comme ça qu'il voulait. Il faudrait qu'il soit une légende aussi comme les autres. Il va falloir soit de se créer des écoles à son nom ou bien des structures qui vont défendre ses idées. Il faudrait qu'on puisse introduire ses idées dans l'histoire de l'Afrique. Il ne faudrait pas que tous ces enfants qui viennent dans ces dernières années puissent oublier. Et néanmoins, même s'ils ne le connaissent pas, ils savent qu'ils ont eu un sage en Afrique ici. Ça lui fait un musée pour parler un peu de ce qu'il a fait dans l'Afrique et puis dans le monde entier. Parler de son combat, de ses œuvres, de ses écrits, ce qu'il a écrit, ce qu'il a fait, et pourquoi on a mis en prison tout et tout. Si on crée un musée, on va se rappeler tout le temps de lui. On ne va jamais oublier Nelson Mandela parce que c'est un grand combattant. Il a fait beaucoup pour l'Afrique et puis il a fait beaucoup pour l'Afrique. Il a fait beaucoup pour son pays. Un musée, ça, on va tout le temps se rappeler de ce monsieur-là.